La molécule chimique va aller au niveau du noyau pour dire qu'il faut activer un gène. Qu'est-ce que c'est qu'activer un gène? C'est prendre le long fil d'ADN et le dérouler. On dénude la double hélice. Donc là, pour voir comment ça fonctionne, vous voyez, ça c'est le chromosome. Vous avez ici le gène d'une partie du chromosome. Et il faut arriver à cet état-là. Une fois qu'on est là, on va utiliser la partie du gène, une toute petite partie de l'ADN, pour créer un ARN qui va être codé par la lecture de ce qui est ici, d'un demi-brin. Cet ARN va être éjecté par le noyau, par les petits pores. Il va être capturé par un ribosome qui va lire la suite de G, de A, de C et de U. Il va choisir les acides aminés qui correspondent avec le code que vous avez ici. C'est-à-dire, chaque fois qu'il voit sur l'ARN la combinaison CAA, il sait qu'il faut mettre sur le collier une... Il faut que je mette mes lunettes. Une asparagine. S'il voit la combinaison UCC, c'est une sérine. S'il voit la combinaison GA, AGA, c'est une arginine, etc. Donc il lit par trois les lettres. Il sait quel acide aminé il faut accrocher. Une fois qu'il a terminé de lire l'ARN messager, lui l'ADN s'est replié, il s'est reformé dans le chromosome. La protéine est fabriquée, elle est étiquetée, l'appareil de Golgi sécrète une vésicule, prend la protéine et avec l'étiquette l'emmène là où il faut. Donc toute information qui arrive sur la membrane à l'extérieur est automatiquement envoie un signal au noyau pour activer un gène, pour créer une protéine qui va donner une fonction. C'est comme ça que ça fonctionne. Tout le truc, et c'est ça qu'il faut arriver à comprendre ça, c'est quel type de signal vous envoyez. Comment vous activez. Donc c'est là où on a sur la membrane des récepteurs. Ces récepteurs ont des formes, ce qui fait que quand certaines molécules arrivent, il y a ce qu'on appelle une reconnaissance moléculaire. Et c'est ça qui déclenche le signal qui va activer le gène. Toute l'astuce, c'est évidemment de mettre la bonne molécule. Par exemple, si vous avez un neurotransmetteur, vous prenez par exemple une sérotonine, eh bien vous allez déclencher une certaine réponse au niveau d'une protéine qui va être liée au fait que vous avez utiliser une sérotonine, ça va être reconnu parce qu'il y a un récepteur qui est dédié à ça et qui va envoyer un signal spécifique qui va permettre de faire ce qu'il y a à faire. Mais il y a des fois des faussaires. C'est-à-dire des molécules qui sont pas tout à fait, des faux billets, qui viennent se fixer sur le récepteur et qui envoient le signal. C'est-à-dire que vous déclenchez, vous activez le gène alors que vous n'avez pas mis la bonne molécule. Donc ça, c'est très fréquent. C'est ce qui se passe, par exemple, qu'avec un pesticide, vous pouvez très bien avoir un pesticide qui a une structure moléculaire qui ressemble comme deux gouttes d'eau à un des molécules dont la cellule utilise pour faire son transit d'information. Auquel cas, ben, vous allez déclencher la réponse génétique alors que ce n'est pas la peine. Et donc, la cellule va créer une protéine alors que ce n'est pas la peine. Cette protéine, elle n'a rien à faire là parce qu'elle n'a pas à être normalement créée, mais le noyau l'a créée parce qu'il a cru qu'il y avait le signal, il fallait la créer. Donc elle est là, elle ne va pas savoir quoi faire, donc la cellule va être « Ah merde, on s'est trompé, il va falloir l'amener au lysosome qui va la dégrader, enfin, il va falloir travailler pour éliminer ce truc, on a travaillé pour rien. » Et quand on a travaillé pour rien, si ça, ça se reproduit très souvent, ben la cellule, elle s'épuise. Le noyau, il va dire, on a marre. Alors à la fin, il a deux façons de faire. Il entend le signal, il dit, oh bon, on ne la fait pas deux fois. C'est-à-dire que maintenant, c'est un vrai signal. Mais comme le noyau, il a eu l'habitude de dire, ah non, on m'a déjà fait trois fois le coup, je ne fabrique plus, là, c'est grave aussi, parce qu'il devait fabriquer une protéine, et comme il ne la fabrique pas, bah, le problème n'est pas réglé. Donc ça, c'est la première solution.
La deuxième solution, c'est que l'ADN, à force d'être déroulé, enroulé, déroulé, enroulé, déroulé, enroulé, parce que chaque fois que vous envoyez un signal, c'est l'ADN qui se déroule, qui s'enroule. Il y a des passes de paires de passes qui se mettent dans le mauvais sens. Ça fait ce qu'on appelle une erreur de transcription. C'est-à-dire que l'ARN qui sort est fautif. Comme l'ARN qui sort est fautif, on fabrique une protéine, mais qui ne peut pas se replier correctement. Et c'est pareil, ça fout le bordel. Et donc, à un moment donné, la cellule en a marre, elle ouvre les vannes calciques. Moi, je ne peux plus fonctionner dans ces conditions. Et c'est la nécrose. Donc, vous voyez en quoi mettre un agent chimique sur un système vivant, il faut faire très, très, très attention. Alors, récemment, dans l'actualité, on a eu le problème. Hein. Par exemple, vous savez tous qu'on a interdit le bisphénol A, qui est une molécule qu'on trouve dans certaines matières plastiques. On l'a interdit dans les biberons. Pourquoi ? Parce qu'il se trouve que ce bisphénol A, il a une fonction phénol. Et qui ressemble, cette fonction ressemble comme deux gouttes d'eau à une hormone féminine. Ce qui fait que quand vous absorbez du bisphénol A et que vous êtes un embryon, l'information que l'embryon reçoit, c'est « tu dois être une femme ». Donc il doit déclencher des mécanismes génétiques de manière à faire pousser des seins et ne pas avoir un pénis, mais un vagin. Parce qu'il faut savoir qu'au début, l'embryon, il n'y a pas de sexe. Il est aussi bien mâle que femelle. C'est les signaux qu'on lui envoie qui vont faire qu'il va devenir un garçon ou une petite fille. Et le bisphénol A avait ce problème-là, c'est que comme lui, il mime une hormone féminine, le signal qui arrive, c'est « faites des filles ». Alors, dans la population humaine, ça ne s'est pas trop vu, parce qu'il se trouve que nous, on est tellement complexe qu'avant que tout ça soit perturbé, il faut quand même pas mal de champs. Mais il y a des organismes beaucoup plus simples, comme les poissons ou les crevettes, qui, elles, vivent dans l'eau, où il y a tous ces pesticides, où il y a toutes ces hormones mimétiques. Et on avait découvert, il y a une dizaine d'années, qu'il n'y avait plus, par exemple, de poissons mâles. Puisque les eaux sont bourrées de pesticides qui donnent une information femelle, ce qui fait qu'on ne fait plus que des poissons femelles. Mais si on ne fait plus que des poissons femelles, que fait la population de poissons? Et comme il n'y a plus de mâles, ça disparaît. Et donc, une simple molécule qui mime une hormone féminine est capable de faire une extinction d'espèce. Est-ce que vous voyez la différence d'échelle? Bisphénol A, c'est quoi mon échelle? Nanomètre. Une espèce. Ça, c'est l'échelle de la planète. 12 000 km. En jouant avec une espèce de 1 nanomètre, je peux affecter un phénomène à une échelle de 12 000 km. Donc, si vous jouez avec les pesticides, ne vous étonnez pas s'il y a des retours de bâton. Parce que c'est un petit jeu. Qui perd, gagne. C'est vrai que vous pouvez gagner sur certaines choses, mais à terme, vous pouvez être perdant sur d'autres tableaux. C'est vrai aussi avec les médicaments, c'est vrai avec toutes les substances synthétiques que nous fabriquons dans le but d'interagir avec un récepteur d'une cellule. Dès que vous avez ça en tête, vous avez le risque que la cellule ne s'assure lui, mais c'est quoi cette affaire? Alors, encore là, on est avec un risque qui est relativement maîtrisable. Pourquoi? Il suffit simplement de ne plus fabriquer de molécules synthétiques. Mais la physique quantique nous amène une autre dimension. C'est qu'il se trouve que quand le récepteur se fixe sur le messager, se fixe sur le récepteur, on pensait que c'était un problème de forme. C'est-à-dire qu'il fallait que la molécule ait une certaine forme, comme une clé et une serrure. Et que si ce n'était pas la bonne clé, c'est pas grave, parce que la porte reste fermée, il n'y a pas de signaux. Mais on a découvert, avec la physique quantique, que ce n'est pas forcément la forme qui fait ouvrir la clé, ça peut être l'onde de vibration
de la molécule. C'est-à-dire que la molécule a des fréquences de vibration caractéristiques et que ce sont ces fréquences qui déclenchent l'ouverture de la serrure. De la même façon qu'aujourd'hui, vous ouvrez votre voiture avec une onde et pas avec une clé. Alors là, ça devient beaucoup plus ennuyeux. Pourquoi ? Parce que si c'est bien l'onde, c'est pas la matière qui ouvre la serrure, c'est l'onde qu'elle émet. Ça veut dire que si maintenant j'envoie une onde de la bonne fréquence, je peux avoir la réponse cellulaire sans avoir la clé. C'est-à-dire que même si je ne mets pas de pesticides, si j'envoie l'information pesticide, je peux faire comme s'il y avait un pesticide. C'est le phénomène du codage des protéines, on envoie l'onde et ça donne l'information, c'est ça? Oui, c'est pas. Non, de toute façon, les protéines ne sont codées par les gènes. Oui, mais c'est une fréquence aussi. Non, c'est le récepteur qui. Il faut savoir qu'à la base, je vous ai expliqué le mécanisme, il faut activer un récepteur qui, lui, va déclencher un messager chimique qui va dire quelle partie du gène il faut aller lire. Mais c'est le gène qui définit la protéine. Mais par contre, c'est bien ce qui se passe à l'extérieur de la cellule qui définit s'il faut ouvrir, envoyer le signal ou pas. Et c'est là où on est en train de découvrir, avec la physique quantique, qu'on n'a pas besoin d'avoir la molécule. Si on connaît la fréquence que la molécule utilise pour faire envoyer son signal, on ne peut envoyer qu'une fréquence. Donc ça, ça a des aspects extrêmement nocifs. Ça a des aspects extrêmement nocifs parce que ça veut dire que si je commence à envoyer n'importe quelle fréquence dans la nature, bah, je vais commencer à ouvrir à peu près n'importe quoi. Donc la cellule ne va plus savoir quoi faire. C'est aussi extrêmement bénéfique. Pourquoi ? Parce que si, par exemple, je ne veux pas d'adventice, parce que c'est chiant. Mais je ne veux pas mettre de pesticides, parce que ça pose des tas de problèmes, je ne sais pas ce que je fais. Si je connais la fréquence de l'adventice, je peux lui envoyer un signal d'inhibition. C'est-à-dire de dire à l'adventice, ok, tu es là, tu as le droit de pousser. Mais, dès que tu atteins 1 cm, tu arrêtes. Tu arrêtes ta croissance. Et à ce moment-là, il suffit simplement d'envoyer une fréquence. On envoie une information sans envoyer la molécule chimique. Ça marche aussi évidemment en médecine. C'est-à-dire que vous pouvez, comme ça, envoyer non pas un médicament, mais une fréquence qui va faire comme si vous aviez pris un médicament. Donc ça, c'est l'agriculture ou la médecine du 21e siècle. On n'y est pas encore parce que c'est très dangereux. Il faut connaître les bonnes fréquences, il faut savoir exactement ce qu'on fait, mais on sait qu'on a cette voie d'exploration.